Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur Kingdom Come Deliverance. Je comptais aller tranquillement voir les bûcherons, non, les charbonniers, avant de commencer la vidéo pour gagner une minute. Sauf que sur le Pourquoi vous chemin... faites l'ambiance? Attention, ils approchent. Partez d'ici ou vous allez vous en mordre les doigts. Ok, on va pas traîner de ce côté-là. Sauf s'il y en a un qui décide de me suivre. Aïe. Quand ça me tape, ça me fait tombeur. Allez, viens te battre. Ah, t'as une belle armure, mon gars. Tu me fais peur. Viens par ici, pleutre. Arrête. Alors, on va faire comme d'habitude. Ah, mon cheval peut rien porter de plus, donc ça on jette. Ça, c'est un meilleur casque. On va faire du tri alors. Par exemple, ça. Ça pèse trop lourd pour ce que ça vaut. Je pourrais les jeter. J'ai encore un peu trop de poids. On va jeter des flambeaux. J'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que j'ai qui est lourd? Ah, de la peau de sanglier. Voilà, on est comme ça. Là. Ah, c'est trop tard, les gardes se sont fait massacrer. On va s'éloigner de l'autre. Il va pas me massacrer du tout. Non, c'est à moi. Oh, crotte, c'est bon. Pas de pitié pour les bandits. Oh mince. Il est incroyable. Oh, je suis désolé. Oh.
Ah, je suis encore un peu trop low. C'est bon. Je suis désolé pour ces pauvres gardes. Je suis arrivé trop tard pour les sauver. Des trucs qui valent vachement cher. Je peux voler l'équipement parce qu'après il va rester volé ultra longtemps. Alors chose de maille, je pourrais les garder. On va jeter le haubert. C'est dommage, mais si je peux plus le porter, je peux plus le porter, hein. Ah, il peut plus rien transporter du tout de plus. Qu'est-ce qui a pas beaucoup de valeur et qui porte? Hache. Des bottes. Oh, il transporte plein de trucs qui a pas beaucoup de valeur. J'ai pas fait gaffe. C'est pas des trucs très lourds, mais. C'est bon, trop lourd. J'ai fouillé ce pauvre homme. Peut-être bien. Non, j'ai pas pris ces gros chaînes. Ah, une dague, super. Le reste, on va la laisser. Ah, ça finissait par peser lourd les flèches. Je suis un peu désorienté avec tous ces combats. Mais je crois que j'allais par là. À cheval, ce sera plus rapide. Je suis désolé, hein, Galet. Tu t'es pris une flèche dans la tête parce qu'il a réussi à passer à travers ta tête. Et j'ai tiré juste après. Toi, t'es un frère charbonnier. Le Seigneur soit loué. Vous n'avez plus aucune raison de vous préoccuper de ces bandits. Je leur ai réglé leur compte. Ah bon? Et je suis censé vous croire sur parole? Si c'est des preuves que vous voulez, je peux vous amener à eux. J'aurais sans doute dû vous apporter leur tête. Je vais vous faire confiance. Bon, un marché est un marché. Rouquin se terre dans une cabane en ruine non loin d'ici. Suivez la route d'Uzis jusqu'à voir un chemin sur la droite qui mène à une petite source. A partir de là, un chemin en friche vous conduira à Rouquin. Mais ouvrez grand les yeux, vous pourriez facilement le manquer. Bien, merci pour votre aide. Que Dieu vous accompagne. Alors, il y a encore une histoire de petit chemin. On est là, si je dis pas de bêtises. Des lièvres un peu partout. Bon, je suis parti pour une autre mission, donc je vais pas chasser pour les gens de les réfugiés de Scalis qui veulent refiler cette nourriture aux citoyens de Ratay pour se faire des sous. Mais
L'idée me vient quand même, et puis mon cheval est plein, donc ça va être compliqué. Alors, il est censé y avoir un petit chemin. Je me demande si je suis pas déjà allé trop haut. Sauf si c'est là. Je pense que je suis en train de faire ce chemin là. Donc j'ai loupé le passage. La raison, faites attention, vous pourriez bien le louper, bah c'est fait. C'est pas grave, je vais finir par retomber dessus. On va complimenter mon chien, ça fait un moment. Bon chien. C'est un beau toutou ça. J'avais pas vu ce chemin là. Ah, c'est mon chemin de départ. Ah non, c'est pas mon chemin de départ. Si, exactement, il y a l'accident ici. Là, on dirait qu'il y a un chemin, c'est peut-être ça que j'ai loupé. Ah, une maisonnette. Eh ben, on peut dire que tu m'as bien baladé. Qu'est-ce que tu me veux ? Te poser quelques questions. Pourquoi tu t'es enfui comme ça ? Où sont tes acolytes ? Et pourquoi as-tu tué ce bandit ? Comment ? Bon, une chose à la fois. Pourquoi t'être empressé de te sauver ? Parce que j'avais peur qu'ils reviennent me tuer. Qui ? Les bandits, bien entendu. Pour se venger du meurtre de leur compagnon ? Un meurtre ? Moi ? Je n'ai jamais tué personne. Dieu m'en est témoin. Et maintenant, dis-moi comment tout ça s'est passé, sans rien omettre, surtout. C'est une longue histoire. Ne t'en fais pas, je ne risque pas de m'ennuyer. D'accord. Je me suis réveillé en plein milieu de la nuit pour aller me soulager. Donc, je suis sorti dans le noir, comme d'habitude, sauf que quelque chose clochait, quelque chose qui n'avait rien à faire là. J'ai d'abord cru à un effet de lumière, mais non. Et il était déjà trop tard. Ils sont passés devant moi et je me suis dit que ça devait être des voleurs de chevaux. J'aurais dû crier, mais j'ai eu peur de me faire tuer. J'ai attendu qu'ils s'éloignent pour m'enfuir, mais... Mais c'est là que le massacre a commencé. Oui. Pour moi, ils allaient voler les chevaux et s'en aller. C'était déjà bien assez grave, mais... Ensuite, la tuerie a commencé. Il y avait des flammes partout et c'était horrible.
L'enfer sur Terre. Et puis ? Apparemment, il y a eu des dissensions dans le groupe. Ça a commencé à se disputer et une partie d'entre eux a fait demi-tour, en plein dans ma direction. Or, il se trouve que j'avais ce truc dans la main, le grattoir à sabots. Donc tu as poignardé le premier venu ? Non, non. Il est arrivé droit sur moi. Il courait vite pour un type qui boite. Il m'a poussé et je suis tombé. Il m'a dit que j'avais intérêt à faire profil bas si je tenais à ma vie. Et il est parti avec les autres. J'ai fait ce qu'il m'a dit en me cachant. Puis le reste de la bande est passé devant moi. Et puis ? J'ai patienté au cas où le boiteux d'Uzis reviendrait. J'ai pas osé sortir de là tant que j'étais pas sûr. Il faisait déjà presque jour, je crois. Tu sais quel était le sujet de la dispute ? Je n'ai pas tout entendu, mais je crois que certains étaient venus dans le but de voler et ne voulaient pas tuer. Et les autres ? Rien n'a attiré ton attention ? Voyons, il devait être 8, je dirais. Il y en avait 2 qui étaient carrément imposants. C'est tout ce dont je me souviens. C'est atroce. Je sais très bien ce que tu ressens. Si seulement j'avais crié, peut-être qu'il... Si tu l'avais fait, tu serais sûrement mort à l'heure qu'il est. Et ça n'aurait strictement rien changé. Mais n'empêche. Il n'y avait rien à faire. Ça me suffit. Et maintenant, dis-moi comment tout ça s'est passé, sans rien omettre surtout. C'est une longue... Tu n'as pas besoin de tout me dire. J'ai seulement reconnu l'un d'eux. C'est un type d'Uzis qui boite. Il vit dans une maison en bordure du village. Qu'est-ce que tu sais d'autre ? Rien de plus. Ok. Pourquoi as-tu tué ce... Quel... Ça t'appartient, non ? Oui. C'est à moi. J'ai appris tout ce dont j'avais besoin. Attends ! Et moi... J'aimerais retourner au Hara, mais... Je les ai croisés... Vraiment ? Quoi ? J'ai peur de retourner au Hara. Vu que je me suis enfui, Dieu sait ce qu'ils vont penser. Si ça se trouve, plus personne ne voudra me parler. Tente ta chance, tu verras s'ils te repoussent ou non. Mais si tu leur expliques, ils comprendront sûrement. Tu as sans doute raison. Merci pour ton aide et que Dieu te protège. On va regarder si les braconniers ont laissé des choses. Bon, en tout cas, on a eu l'éclaircissement sur cette affaire. Ça trempe terriblement à la fin, ça me fait peur, je vais tout doucement. Rien de très intéressant. Oh, il y avait un petit chemin par là aussi. Ah oui, mais qui mène à rien, d'accord. Il faut que j'aille voir le capitaine Bernard. Il faudrait que je passe à l'armurier aussi pour vendre tout mon matos. Enfin, raté d'ailleurs, armurier, épéiste, enfin, forgeron d'armure, forgeron d'épée. What? Il y avait une ombre au-dessus de moi pendant un instant. Je sais pas si c'est mon arc qui a fait bouger une branche ou... Pendu comme très joyeux.
Si, je vais par là, moi. Pour aller voir le capitaine Bernard. Ah. Bonjour, Seigneur. Que Dieu vous accompagne, jeune homme. En quoi je peux vous aider ? Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se terrent les bandits. Magnifique ! Bernard m'a déjà avisé des événements, mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, Monseigneur ? C'est à toi de déterminer ce qui est important. Ok. J'ai fini par retrouver le palefrenier qui avait fui. Et il avait de bonnes raisons de le faire. Il m'a mis sur la piste d'un petit fermier d'Uzis, un boiteux. Comment s'appelle-t-il ? Le garçon ne le connaît pas de nom, seulement de vue. Si je cherche un boiteux qui a de mauvaises fréquentations, les villageois sauront de qui je parle. Les paysans aiment les ragots. Et s'il n'est pas là ? Il a pu s'enfuir, peut-être même à Kuttenberg. Si je ne le trouve pas à Uzis, je poserai des questions. Il y aura bien quelqu'un pour le connaître. Parfait. Prends la direction d'Uzis. Trouve-moi ce bandit boiteux et soutire-lui le nom de ses acolytes. Ils doivent être présentés à la justice pour leurs crimes. Je veux les voir pendus. Amène-le-moi à Meroyed et je déciderai de son sort. Fort bien, Monseigneur. Adieu. Ok. Ah donc du coup j'ai surpassé les informations du capitaine Bernard, ça a pas l'air de poser de soucis. Il va falloir que je reparte au nord, à Uzis. On a récupéré des statistiques en force. On va prendre mule qui permet de transporter plus de poids. En éloquence... On va prendre offre ferme, qui est un bonus, alors que les deux autres, c'est un truc d'équilibrage avec un bonus et un malus. Niveau principal, est-ce qu'on a des choses intéressantes ? Ah, pourquoi pas ? Le temps que vous pouvez passer sans dormir. D'accord, très bien. Augmentons le temps que je peux passer sans dormir. Voilà. Puis on va peut-être faire quelques quêtes secondaires de type la quête du meunier. Passons au trot. Ah, ça me fait penser que mon cheval doit avoir des trucs d'armurier. Que je peux potentiellement utiliser. Ah, là j'ai rien de trop abîmé. Ça va permettre de monter mes compétences de réparation et ça permet de réparer mon équipement. Donc, je pense que c'est tout bénef. Alors le soleil m'a l'air encore assez haut pour que l'armurier soit ouvert.
là. Des pommes, des concombres, des oignons. Venez vous en procurer. Bonjour, mes hommages. Je vérifie qu'il n'y a rien qui me serait plus utile. Si par exemple l'auberge commande, parce que j'ai rien à cet endroit-là. Ok. Alors. Oh, 150 pour des bagues en argent. Il a même pas les sous. Ah ah! Eh bien, on va acheter quelque chose au commerçant. Je ne sais pas encore quoi. Hercule et son régime, je l'ai. Alors, je pourrais acheter un bouclier. Qui ne demande pas trop de force à manier. En même temps, je ne suis pas persuadé que ce soit très intéressant. Voyons voir. Un truc qui serait pas trop lourd et qui serait mieux que ce que j'ai déjà. Et idéalement pas trop cher. Ça par exemple c'est un peu mieux. Mais bon, je pense que c'est juste une histoire d'usure de ma coiffe à moi. Alors les gantelets, je pourrais en avoir des meilleurs comme ça. Mais ils coûtent très cher. Pour acheter des gantelets saxons. Alors. Bah ça s'améliore un peu si je prends un chamail, mais je pense que c'est juste parce que le mien est abîmé. Pareil, chapelet en cloche, c'est ce que j'ai. Coiffe de maille de noble. 12, 15, 9. 11, 14, 8. Ça vaut très cher. Épaulière brigandine. Ah, oh, ça fait un gros boost. Mais il faudrait mieux que je prenne de l'armure de corps. C'est là que je souffre le plus. Ça pèse que 5. Et ça défend de 24. C'est quasiment aussi fort qu'une côte de maille. Sauf que... Ça coûte 6000. Si par hasard je le prends, c'est moi qui dois payer 4000. Et ça, c'est pas trop possible. Ça pèse 5 aussi. Ça fait 19, 19, 8. Ça, c'est tout pourri. Ok. 16, 16, 6. Alors, je pourrais m'en sortir avec la cuirasse raccourcie de Milan à la place de mon vieux gilet. Ça ne pèse que 5 et ça protège super bien le torse. Ça, c'est aussi vachement bien. Ça pèse 7, 2 de plus. Ça fait 20, 28, alors que l'autre, là, il me fait 19, 19, 8. Il y a une différence de prix importante. Un peu. Ah, il y a des trucs légers aussi. 15, 15, 6. Ah mais il pèse 9. Oui. Alors on va conclure ce marché mais en marchant droit. J'aimerais discuter du prix. Bien entendu.
Alors je crois que j'ai pris le truc pour que le marchand accepte une fois de plus, donc je peux faire. Je propose Et ça c'est? 500. Ouais, offre ferme, voilà, ouf. C'est trop. Et là, je peux m'approcher franchement de lui. Non, Oh restons-en là. mince. Vendre. Je suis pas assez approché de ce qu'il me proposait. C'est cuirasse raccourcie de Milan. Ouais, je pourrais prendre une moins chère aussi. Peut-on s'arranger sur le prix? Bien sûr, pourquoi pas. On va retenter offre ferme. Qu'est-ce que vous en pensez? Selon moi, ça ne vaut pas ça. Ok, maintenant on va venir à son prix. Vous voyez, j'étais persuadé que nous allions trouver un accord. Ouf. Voilà, donc maintenant on a une pièce de protection du torse. On a aussi celle-là qui protège moins bien, qui pèse plus lourd. Bon, maintenant on a une protection de torse un peu raisonnable pour pas trop trop lourd. Je peux aller voir l'armure, le vendeur d'épée. J'ai un bouclier commun en moi d'ailleurs, en bois si je veux de la défense. Je vais le garder. C'est un honneur qu'un chevalier de votre valeur s'intéresse à moi. Oh! Bah, j'apprécie. Vendre. Épée de bourgeois, c'est 43. Ouais, ils sont pas nettement meilleurs ces trucs-là. Et si par hasard je voulais t'acheter une arme qui fasse beaucoup de dégâts et que je puisse utiliser quand même. Par exemple, crête de coque, fait 55 en taille et 54. Oh, ça coûte pas très très cher. Surtout, ça demande moins de force. Enfin, ça demande moins de force et d'agilité. Celle que j'ai, elle demande 5. Et là, il m'en propose pour 200. Celle-là par exemple 52 force 4. Ouais, je peux aussi dire que je ferai 43. On va plutôt garder une arme d'agilité, on va juste conclure un marché. Voilà. Venez acheter mon pain frais. On ne peut pas se. Alors, est-ce qu'il est avant midi? Pas du tout. Le bon larron, obtenir une pelle. Je dirais que lui, il pourrait avoir une pelle, par exemple. Attends, on va pas. Bonne journée à vous. Merci. Non, pas de pelle. Il vend des schnapps du sauveur, par contre. J'ai 600 et des petits nécessaires. Ah si, une pelle, voilà. Je pourrais lui vendre probablement ces trucs-là.
Non, je ne peux pas. Ok. On va aller voir Wolfram Ruda. Ah non, que Conrad, Dieu vous accompagne. Il me prend des trucs exotiques, pas très cher, mais au moins il me les achète. Des râteaux, des bêches, des fourches et des haches. Tout le nécessaire pour apprivoiser l'herbe. Bon, si je veux pas me faire choper, je peux y aller avec de la viande. Ça j'en ai. Au pire, j'ai de la viande séchée. Et de nuit, donc après avoir dormi. Et ça va être tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve bientôt pour un suivant.